ramener des bières. Ouais, ça c'est pas une mauvaise idée. J'en ramènerai moi aussi. Ah ouais, il va mieux. Ah, il est plus stable, hein. On se ramène une bétonnière aussi. Oh, ça, et... Bah oui, c'est comme si toi tes roues elles patinaient en permanence. Pour ça qu'il faisait l'effet turbo. Ouais. Parce qu'il il accrochait pas assez d'eau jusqu'au moment où il avait de la vitesse. Ouais. Ah, là il part Franck. Ouais, il a plus rien à voir. Ah ouais. Merci Franck. Du coup tu l'auras, tu fais pas de réclamation. Du coup il va changer son avis sur super bateau top. Il se comporte très bien là. Ouais, là il est bien là. Ouais. Ah ouais, franchement, il va bien. Ah ouais, il est vite dans l'eau. Ouais, ça fait 12 éclaboussées, mais ça va. Arrête! Tu vas réussir à casser ton hélice. Voilà. Putain, il fait du drift sur l'eau. Rien à voir la maniabilité. C'est pire ça, gros. Bon, à un moment donné, à jouer avec les limites. Arrête. Mais t'es sérieux? Oh mais t'y as. Mais t'as pas vu que t'as mis ton pied dedans? Mais j'ai vu trop tard, j'ai fait comme mec. Putain. Il est pas méchant. Pourquoi tu me parles ta langue? Non, je demandais s'il y avait d'autres couleurs. Ah, je demandais juste comme ça. C'est la même marque que toi, celui-là. Tu vois, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Bah, si tu peux le renvoyer. J'aime pas trop. Tu t'achètes le même que moi, t'aimes pas le même. Il vaut le même prix, lui. Non, je veux plus gros. Ah, tu veux plus gros? Je veux le Spartan. Non, je veux le Spartan. Non, mais moi, là-bas, je t'aime pas le Spartan, je veux le catamaran. Mais il veut pas que ça se capte. Ah, mais ça va être pareil que ça, quand t'en as un, tu veux le Spartan. Ouais, mais là, c'est pas grave. C'est pas le même prix, donc c'est pas la même conception. L'autre, il doit être bien mieux foutu, le catamaran. Je pense, hein. Et on se rend cool. Putain, le bruit qu'il fait. Ouais, c'est pas le même. Et toi, il est en 3... non, 6S. Toi. 6S. Il est donné pour combien de kilomètres heure d'origine? 80. Putain. Ben, moi, il dit 60, je les vois pas, les 60 km/h. Ça commence à faire. Moi non plus, je les vois pas. Oh là là, ça fait peur, hein, comme il arrive. Putain. Putain, il va pas s'arrêter, mais ça s'arrête bien. Hein. Ouais. Ça fait vraiment un frein moteur. Faites un départ. Allez. Et on fait tous un départ. Ça va être compliqué là. Prêt, moi. Faudrait le faire dans le retour, non? Parce qu'on voit pas bien avec la gerbe d'eau. Ouais, bah c'est dans le retour si tu veux. Pousse-toi de là. Bon bah sur le retour alors. D'accord, ok. Moi j'ose pas aller plus loin là. Bah vas-y, c'est pas grave, ça va rien. Pourquoi? Je vais vous attendre. Mais non, mais tu viens. On fait un retour. Elle c'est une ligne droite, si t'arrives à te retourner en ligne droite mon gars. Ouais c'est vrai, ouais mais faut bien qu'on s'espace. On se fait à peu près comme ça là. Il part un peu à gauche. Demain, ouais c'est la batterie moi aussi. Alors je suis pas assez loin. Mais par contre on part bien comme ça, hein. On se croise pas, hein. Parce que ça va faire mal. Hein. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Oh, bon, bon, bon. Ah c'est dangereux. J'ai devenu d'esquive. Oh le petit en 4S, tu m'as dit il supporte hein. Non, celui d'Elder il supporte. Ah je crois que le tien il prend. Non. Trop dangereux le 4S dans le petit. C'est le FT11, ah ouais putain, ouais. Le FT11 est super. Ouais, je trouve ça sympa quand même. Putain, au moins j'aime trop, je pensais pas que j'allais aimer quand même. Elder, ah, putain, Elder, mais t'es. Elder, il cherche la casse. Exactement. Pourquoi? Pourquoi? Après, est-ce que nous. C'est bien quand tu prends des risques, c'est marrant. Est-ce que nous on fait ça? Tu vois, quand tu vas rater le virage, ça va faire pan pan. Oh, pan pan. Heureusement, c'est vite. Il va se casser, il va dire putain, mais franchement, c'est de la merde le bateau. C'est grave. C'est vif, ouais. Mais en fait, pour que ce soit vif, faut avoir de la vitesse parce qu'à l'arrêt, ça tourne quasiment ouais, rien. C'est logique. Ouais.
Je vais te manger. Oh, c'est abusé quoi. Mais la souris. Par contre, il est bien moins stable que... Bah, pas stable, mais vif que le vôtre. Vu qu'il est plus lourd. Ah, bon, c'est cool. Ouais. Oh là. Je l'avais même pas vu. Ah, c'est vrai, elle est pas trop là-bas. Hein. Oh là là, toi tu prends des risques aussi. Hein. Mais c'est bien, Philippe. Non, t'es sûr? Pourquoi? Régale-toi. Je vais essayer de qui, si tu l'as tapé? Non, je vais pas taper. Non, moi je vais te faire tourner. Et la marche arrière, c'est le moteur qui te fait ça? Par exemple, genre, je prends un autre combo, je peux avoir la marche arrière? Je sais pas si le variateur il doit être programmé pour qu'il y ait une marche arrière. Ouais. Parce que le moteur, rien ne l'empêche de tourner en marche arrière. Ouais, c'est ça qui... Putain. C'est le variateur. Oh putain! Bah normalement il est censé se retourner, il avait peut-être de l'eau dedans. Est-ce que peut-être quand il est remonté dessus, ça lui a fait une brèche? Essaye de mettre un coup de gaz. Oh, bien joué! Oh. Putain! Mais oui, mais toi, t'as le système retournant sur celui-là. Moi, si je m'en achète un, j'achète celui-là. Mais suite Franck, il le fait aussi. Hein. Mais je le passe en 6S. Et ouais, il y aura que l'hélice, il sera dans l'eau. Avec un moteur. Là, tu mets le moteur du DR, je vais en